Bonjour Nicolas Bacca, tu es donc CTO de Ledger, on ne te présente plus dans la communauté Bitcoin, aussi Ethereum, puisqu'il y a le wallet Ethereum que tu supportes pour le wallet Ledger. Il y a Litecoin aussi, en fait toutes les cryptos sont les bienvenues chez Ledger, avec le Ledger NodeOS récemment, Ledger Blue aussi qui est toujours en cours de développement sur la partie logicielle. Voilà, avec sortie prévue avec un petit peu de retard avant Noël, puisque bon, on est en train de faire beaucoup d'efforts sur toute la partie UI, on a tout refait en fait, et bon, ça demandait un petit peu plus de travail. D'accord, ok, pour avoir des applications propres par la suite. Voilà. Je voudrais qu'on parle deux secondes de gérer ces datas dans la blockchain avec Ledger. Comment ça peut se matérialiser ça? Aujourd'hui, alors, il y a plusieurs initiatives qui sont faites au niveau de la gestion d'identité sur la blockchain. Donc, il y a notamment tout un axe de recherche qui est poussé auprès d'un consortium qui s'appelle Rebooting. Non, alors FIDO. FIDO, c'est de l'identité au sens simple, en fait. Bon, ouais, du coup, je vais parler un petit peu de FIDO, en fait. Ah, le concept de FIDO, c'est de dire qu'on remplace, on va tuer les mots de passe, puisque bon, les mots de passe aujourd'hui ne sont plus fiables du tout, et on voit des fuites de mots de passe à peu près toutes les semaines sur des nombres qui deviennent de plus en plus conséquents. Aujourd'hui, Yahoo ont perdu, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils ont perdu des centaines de millions, des milliards de mots de passe, ils ne le savent pas non plus eux-mêmes. Donc, l'idée est de remplacer les mots de passe par de l'authentification cryptographique, et de l'authentification cryptographique sur des choses simple, donc idéalement du hardware low cost. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui tournent autour de FIDO, en fait, pour fournir ce type de hardware qui est donc standardisé et qui permet aujourd'hui de se connecter sur plusieurs sites web. Donc bon, on a Google qui a piloté le truc, on a GitHub, Dropbox, si vous voulez une liste un petit peu plus complète, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle dongleos.info, voilà, qui liste un petit peu tous les services supportant FIDO. L'idée à terme, c'est d'être aussi capable de se connecter directement sur son ordinateur en utilisant le protocole FIDO, que ce soit du Windows, du Linux, du Mac. Donc c'est un protocole qui est en cours d'évolution, mais qui a une traction assez forte, je dirais déjà aujourd'hui, auprès des différents fournisseurs. Il y a plusieurs solutions open source d'ailleurs qui supportent FIDO. Nous, on supporte FIDO, Trezor supporte FIDO. Il y a un projet très intéressant aussi qui s'appelle U2F0, qui fait une implémentation de FIDO à 8$ vendu aujourd'hui sur Amazon. Donc un projet open source avec des composants qui sont pas parfaits, mais bon, je dirais c'est mieux que c'est toujours mieux qu'un mot de passe. Et donc dans le cadre de mettre de l'identité cryptographique sur du hardware, on a une initiative un petit peu semblable qui se passe sur la blockchain aujourd'hui, donc qui est l'idée, je dirais la partie académique est l'idée par un groupe qui s'appelle Rebooting Web of Trust. Donc qui commence à réfléchir à ces notions d'identité. Et on a également un parallèle qui est fait dans le monde de l'identité, de l'identité classique, hein, je dirais, donc dans l'industrie de l'identité, en remettant l'utilisateur au centre de la problématique. C'est vraiment ça la clé. Donc la clé de ces nouvelles solutions d'identité, c'est de dire que les sites ont trop de pouvoir aujourd'hui et les acteurs externes ont trop de pouvoir dans la centralisation de l'identité. Donc le problème doit être complètement inversé. On parle de self-sovereign identity, donc pour identité propre à l'utilisateur, où l'utilisateur va détenir des facettes en fait et va ensuite les présenter au site selon son désir et selon ce que le site souhaite obtenir. Donc par exemple, on peut prendre l'image assez classique dans un endroit par exemple où on veut consommer de l'alcool et qui serait interdit au moins de 18 ans. Bon, je sais pas si c'est très parlant en France, mais... Ouais. Donc par exemple, bon, on pourrait dire comment est-ce qu'on prouve son âge. Pour prouver son âge, aujourd'hui, on peut montrer sa carte d'identité. Bon, bah oui, là on a prouvé son âge, mais on a aussi prouvé comment on s'appelle, où on habite, sa nationalité, etc. etc. Donc voir sa signature, donc c'est pas idéal. L'idée, voilà, c'est de dire on aura un moyen cryptographique de prouver qui on est. Donc toutes ces assertions seront validées par une preuve cryptographique qui sera donc sur une clé hardware et ensuite des acteurs externes se porteront garants de lier l'identité de la personne à l'identité hardware. Donc on a des gens qui font ça dans la blockchain aujourd'hui, enfin, on a notamment le projet Blockstack aussi qui commence à pas mal gérer ces choses-là, mais il faut bien voir que c'est pas un délire de blockchainiste, hein. c'est vraiment une initiative globale aujourd'hui dans toute l'IT pour rendre cette identité beaucoup plus ouverte et beaucoup plus centrée sur l'utilisateur. Donc le nom du protocole qui va faire ça, je dirais, dans les choses un petit peu plus conventionnelles, c'est OpenID Connect.
pour ceux qui voudraient creuser un petit peu le sujet. Et il y a un serveur open source d'ailleurs qui implémente un petit peu tous les protocoles d'identité possibles et imaginables, qui est très en avance sur tout le monde et que pas grand monde ne connaît, qui s'appelle GLU avec deux U, qui est aussi très intéressant à regarder si vous voulez creuser un petit peu dans la partie technique du sujet. Donc la blockchain, je dirais, c'est une suite logique de ça, puisque la blockchain faisant de la cryptographie, faisant, je dirais, mettant la cryptographie en son centre depuis le départ, c'est un acteur qui s'y prête particulièrement pour stocker ses assets et ses preuves de possession d'assets. Ma question, c'était comment on autorise, en fait, l'autorisation, elle se fait par une clé de déverrouillage d'une... On donne une clé qui permet de déverrouiller un seul endroit. On va stocker en fait ces différentes assertions quelque part. Donc ça peut être sur la clé, ça peut être sur la blockchain, ça peut être sur un serveur externe. Et ensuite on va avoir une validation donc avec l'écran. Là je pensais plus au Nano S et au Blue. Hein. Donc on va avoir une validation en fait de la facette que l'on souhaite divulguer au site. Et si on accepte, on acceptera d'ouvrir cette facette. Voilà. D'accord, oui. Donc c'est vraiment, j'accepte de donner mon âge, j'accepte de donner mon adresse. Et après, on peut imaginer plein de choses fonctionnant, je dirais, sur la base de ça. Mm. Ça, c'est vraiment le centre de la Self-Sovereign Identity et de l'implémentation d'OpenID Connect. Donc, ça me fait penser un petit peu sur Android, quand on installe une nouvelle application, on autorise certains paramètres. Voilà, un des défauts justement de cette solution-là, et ce qu'on veut éviter avec toutes ces problématiques-là, c'est vraiment de la chose simple pour l'utilisateur. Ouais. Parce que le système d'installation par permission, c'est quelque chose en fait qui a été mis en place dans les téléphones depuis les premières versions de Java mobile, et la tendance qui est aussi constatée sur Android, c'est que plus on va vers des API riches, plus on va vers de la complexité. Donc on a en général une première phase où les règles deviennent complètement incompréhensibles. Typiquement, on se retrouve quand on veut envoyer un SMS à « voulez-vous envoyer un SMS surtaxé ? Voulez-vous envoyer un SMS binaire ? Voulez-vous envoyer un SMS machin ?» Ça c'est la phase 1, donc, qui fait que les utilisateurs ne comprennent pas ce qu'ils valident. Ensuite, on a une phase 2, donc suite à l'analyse de la phase 1, où les permissions deviennent trop simples, et donc on se retrouve avec des permissions du type « voulez-vous envoyer un SMS ?» Ce qui ne veut au final rien dire, puisqu'envoyer un SMS peut être gratuit, comme peut coûter 10 euros. Donc on essaye de bien réfléchir justement à la granularité de ces permissions pour éviter de tomber dans ce problème-là, dans toutes ces problématiques. D'accord. Merci, Nicolas.